bon Dieu, mais qu'est-ce qui peut bien me réveiller? Mais non, arrête! Allô? Allô? C'est vous, Pauline Carton? Oui, c'est moi, mais qui est dans l'appareil? Votre directeur. Oh, bonjour, monsieur. Je vous réveille, chère Pauline. Mais non, monsieur, non, vous ne me réveillez pas. Vous savez, moi, je ne me couche jamais avant 2 ou 3 heures du matin. Écoutez, Pauline, voilà pourquoi je vous dérange. Voudriez-vous avoir la gentillesse de venir nous rejoindre aux ambassadeurs? Aux ambassadeurs? Oui, au dîner de gala. Oh, vous ne seriez pas fâché d'apporter rapidement une robe et à venir nous chanter votre air des palais Duvier? Oh, monsieur, je vous en prie, ne m'infligez pas ce supplice-là. Vous savez, d'abord, moi, j'ai pas de robe. Et puis, j'ai horreur de ces trucs-là. Je vous vois tous d'ici, faisant des efforts surhumains pour vous amuser à tout prix. Dites donc, monsieur, pour me téléphoner, alors vous vous êtes levé de table? Bien entendu. Oh, monsieur, comme c'est aimable de votre part, comme c'est gentil à vous. Alors, vous voudrez bien, monsieur, m'excuser auprès de vos amis et puis leur dire qu'on n'a pas répondu de chez moi? Ça, ils ne le croiront pas. Écoutez, et à moi tout seul. Vous voulez pas me chanter votre air? Ah, oh ben parce que vous tout seul, ça si vous voulez, moi je veux bien. Mais vous savez, c'est un duo. Ça fait, ah viens, suis mes pas, je viens, je suis tes pas, je te suis pas à pas. Ah, suis-moi, veux-tu, je te suis pas têtu sous les beaux palétus. Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les papapapas, les papas, les tutus, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les patus, prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les vieilles. Voilà, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci, monsieur. Téléphone. Réponds pas. On te prend. Un instant. Vous devriez y aller vous-même, monsieur. Et bien sûr que je vais y aller. C'est la chambre, monsieur. Et vite arrêter le cambrioleur. Bien, monsieur. Oh, il vaut mieux répondre. Hein? Oh non, mais on fait pas ça. Aïe, mesdames et messieurs, me conseillez-vous de les prévenir qu'un danger les menace? Pauvres gens qu'on va déranger en plein travail. Tant pis, mon vieux, je réponds. Allô? Allô, messieurs, je m'excuse de vous déranger, mais je crois devoir vous signaler, en tout cas, que la pendule qui est derrière vous n'est pas une pendule ancienne. Et vous feriez un mauvais calcul en vous l'appropriant. Je crois devoir également vous signaler que d'ici une minute ou deux, vous allez recevoir une visite. Une visite imprévue qui ne vous sera peut-être pas extrêmement agréable. Allez, passez devant, excusez-moi. Je vous remercie, monsieur Guitry. Voilà une invention magnifique. Et qui est appelée à rendre les plus grands services. Allô? Monsieur Follet. Qui est à l'appareil? Oh, monsieur Guitry, comment allez-vous? Je vais pas bien, voici pourquoi je vous dérange. Seriez-vous homme à venir nous rejoindre au dîner de gala des ambassadeurs afin d'y prêter votre concours? Oh, monsieur Guitry, je vous coupe la parole tout de suite pour vous dire mes regrets sincères. Je suis couché, je suis souffrant. Oh, je suis dans un bien triste état, monsieur Guitry. Et vous auriez pitié de moi si vous me voyiez en ce moment. Vous me connaissez trop pour savoir que si je vous dis non, c'est que vraiment, je suis dans l'impossibilité de quitter mon lit. Oh, j'ai comme un poids en ce moment sur la poitrine, vous savez. Et vous savez que je suis incapable de mentir. Alors, au revoir, monsieur Guitry. Au revoir. Et tous mes regrets, n'en veuillez pas, surtout, n'est-ce pas? Au revoir, monsieur Guitry. Au revoir.